Ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi, il est 18h. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Isabelle Carré. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, vous êtes l'affiche d'une pièce de théâtre, d'une comédie, voilà, oui. Au Théâtre de la Renaissance qui s'appelle La Dégustation. D'Yvan Calberac. D'Yvan Calberac. Et alors, je vais être franc, la dégustation porte bien son nom parce qu'on déguste pendant, pendant toute la durée de la pièce. C'est un moment, voilà, il y a peu de comédie où j'ai autant ri. Et en même temps, il y a une vraie sensibilité. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'adore ça quand on rit vraiment à gorge déployée, quoi. Ah ben, on hurle de rire. Si on vous arrache juste un petit sourire de temps en temps, c'est pas une comédie, quoi. Non, on hurle de rire. Et aussi d'avoir une émotion, d'être touché, profondément touché. Une question de la machine. Une femme et trois hommes ou quatre paumés? Une femme et trois hommes et quatre paumés. Ouh. Ou quatre paumés? C'est un peu des deux, ouais. C'est-à-dire que, effectivement, mon personnage, Hortense de la Villardière, est un peu versé dans le milieu associatif. Et catholique. Et catholique, enfin, très proche de son curé, voilà. Mais ouais. En même temps, il lui manque l'âme sœur. Elle a aussi un fort désir d'enfant. Donc, oui, elle est un peu au taquet. Elle a vraiment besoin d'une rencontre. Alors, la pièce, il faut l'expliquer, se passe dans un magasin qui vend du vin. Chez un caviste. Chez un caviste, oui, exactement. Chez Bernard Campan. Exactement. Que je retrouve après 17 ans, après ce souvenir des belles choses. Ouais. Et donc, c'est Bernard Campan, alors lui aussi, il est un peu paumé, quoi. Sa femme est partie, enfin, puis on va pas tout raconter. On va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'ils ont tous des failles, un secret. Ouais. Et c'est la rencontre, en fait, toutes ces rencontres qui les sauvent. Alors, il y a donc un personnage, donc c'est vous, on en a parlé, c'est... Hortense de la Villardière. Donc, il y a le caviste, voilà. Et puis, alors, il est formidable, il s'appelle Mounir Amara. Et alors, c'est le rebeu de banlieue. Ouais. Vendeur d'herbe. Alors c'est vrai qu'au début on est un peu dans une caricature, mais très vite en fait c'est ça qui est touchant dans cette pièce. Même mon propre personnage, on verra qu'il a des grosses contradictions. Ouais. Et c'est le cas de chacun d'entre eux, c'est-à-dire que ouais, la pièce à force c'est de casser systématiquement tous les clichés. Et c'est vrai que je partage complètement votre enthousiasme sur l'acteur Mounir. Amamra est un acteur incroyable et c'est la première fois qu'il est sur scène. Eh ben il est incroyable. Ouais. Je suis d'accord. C'est Isabelle Carré, notre invitée. Aujourd'hui, elle est à l'affiche de La Dégustation. C'est une comédie formidable. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Ben oui, ça c'est Yvan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu sa pièce et ses films. L'étudiante et Monsieur Henri avec Brasseur. Venise n'est pas en Italie au théâtre l'année dernière. Puis là, il vient de le tourner au cinéma avec Benoît Poelvoorde. Mmh. Et c'est vrai qu'il a le sens de la réplique, de la formule, des situations. Donc il y a du matos, oui. Une question. Paris ou le Pays Basque? Ah ben, Pays Basque, désolée. Je suis parisienne, mais c'est mon refuge, c'est le Pays Basque. D'ailleurs, j'avais demandé à François Ozon, quand il m'a proposé son film Le Refuge, qui s'appelle pas Le Refuge pour rien, d'accord, je tourne enceinte, mais ça sera au Pays Basque. Pourquoi le Pays Basque? Ben c'est là où je me sens bien, c'est vraiment là où j'ai l'impression. Vous êtes arrivé un jour, il y avait coup de foudre avec la région, avec les gens, avec l'identité aussi culturelle. En fait, j'aime bien être dans un endroit où je sais que je suis pas partout ou pas ailleurs. C'est ça, ça ressemble pas à d'autres endroits. C'est il y a une identité, il y a une culture, il y a une langue, il y a les maisons sont rouges. Voilà, on peut les identifier tout de suite. Puis il y a la mer, la montagne. Bon, il pleut beaucoup. Et ça, les Basques me disent, répète-le souvent dans tes interviews. Il pleut beaucoup parce que sinon, voilà, il y a trop de monde. Une adolescence heureuse ou heureuse d'être adulte? Ben, c'est un peu des deux. C'est une adolescence qui a été assez mouvementée, en fait. On pourrait dire une enfance très heureuse, mais peut-être une enfance, je le dis dans le livre que j'ai écrit, Les Rêveurs, que j'ai sorti l'année dernière, qui vient de sortir d'ailleurs en poche, j'en profite pour le dire. Une enfance rêvée plutôt qu'une enfance de rêve. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le rêve, dans l'imaginaire. Et puis après, ça s'est un peu gâté à l'adolescence, avec les chagrins d'amour, avec la séparation de mes parents, avec la difficulté un peu à chacun d'entre nous de trouver notre place. Et puis à l'âge adulte, oui, enfin, je dirais même tardivement, quoi, vers l'âge de 30-40 ans, et là je vais bientôt vers la cinquantaine puisque je vais avoir 48 ans fin mai, ben, ça va de mieux en mieux, quoi. Ouais. Mais oui. Mais c'est quoi? C'est comme le bon vin, quoi, comme dans La Dégustation, se bonifier avec l'âge, je trouve.
C'est Isabelle Carré, notre invitée aujourd'hui, avec Bernard Campan. Elle est à l'affiche de la dégustation, c'est au Théâtre de la Renaissance. C'est une pièce formidable, une comédie. Allez-y, vous allez vraiment rire. Romy Schneider ou Audrey Hepburn? Alors là, c'est... Ah non, mais là, j'ai le cœur déchiré en deux, c'est pas possible, je peux pas choisir. C'est les deux actrices que je préfère. J'adore les actrices parce que c'est à elles que je m'identifie, quoi, tout simplement. Et Romy Schneider, c'est elle qui m'a donné envie de m'inscrire dans un cours de théâtre, donc c'est pas rien. Mais Audrey Hepburn, je l'ai même jouée interprété, sur scène, bien sûr, ouais. Dans Le Sourire d'Audrey Hepburn, au Théâtre de l'Œuvre, il y a 2 ans, je crois. Et la côtoyer, c'est quelqu'un qui fait du bien. Vraiment, parce que c'est une belle âme, parce que c'est quelqu'un qui a fait des films d'abord magnifiques, qui une grâce absolue, et puis aussi qui à un moment a arrêté sa carrière pour s'occuper des enfants, voilà, et ça me touche profondément. Ah ouais. Ben pourtant, oui. Vous, non. Moi, non, mais je la comprends et je comprends, enfin, ce choix et tout à son honneur, en fait, elle est devenue l'ambassadrice de l'UNICEF. Elle a voulu rendre un peu tout ce qu'elle a reçu, puisqu'elle-même a été soignée par l'UNICEF pendant la guerre. Donc, non, c'est vraiment quelqu'un d'admirable, quoi. Choisir un rôle, c'est rationnel ou irrationnel? C'est un peu des deux. Les raisons rationnelles, c'est retrouver des gens qu'on aime. Là, c'était le cas, par exemple, Bernard Campan. Là, c'est complètement rationnel. C'est vraiment le grand bonheur de ce début d'année, c'est de retrouver quelqu'un comme lui. Isabelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au départ, c'est le choix de quel vont être les comédiens ou les comédiennes avec vous, ou le réalisateur? C'est un peu un ensemble, voilà, le réalisateur, le metteur en scène, l'écriture, l'histoire. L'histoire est vraiment au cœur, en fait, du choix, parce que c'est voilà, le plaisir qu'on va avoir à raconter cette histoire pendant des mois. Vous vous rendez compte, là, on va jouer jusqu'à au mois de juin. Donc, et puis, on a commencé à répéter, c'était au mois d'octobre, donc c'est long. Et puis, on va peut-être faire une petite tournée. Donc, il faut vraiment s'embarquer dans une histoire qui vous touche, quoi, que vous aimez raconter surtout. Isabelle Carré, notre invitée aujourd'hui. La dégustation, c'est la pièce dans laquelle elle est actuellement, au Théâtre de la Renaissance. Une pièce, on l'a dit tout à l'heure, vraiment extrêmement drôle. Et c'est vrai qu'on s'accroche à ces personnages parce que ils sont tous fêlés, ils ont tous des fêlures, ouais. Et ils ont tous une rédemption. C'est ça, donc ça fait du bien. On se dit tout n'est pas perdu. C'est vraiment la pièce de la seconde chance, en fait. C'est vraiment ça, et des amours tardifs. Et aussi, par rapport à ce personnage dont vous parliez, le merveilleux Mounir Amamra, l'idée que, oui, même quand on est jeune et qu'on a fait des bêtises, là aussi, on a droit à une seconde chance. En fait, lui, il sort de prison, il a un stage de réinsertion, et on va lui tendre la main, quoi. Et c'est effectivement des personnages super attachants. J'ai envie de citer les autres aussi. Ouais. Olivier Clavery, qui fait le docteur qu'on aimerait tellement avoir dans sa famille. Alors là, c'est le docteur rêvé. Le docteur rêvé, on est d'accord. Et puis, Éric Viellard, alors lui, qui est le copain un peu encombrant, parce qu'un peu, dragueur, enfin même pas qu'un peu. Il a lourditude, comme dirait l'autre. Oui, mais là aussi, il n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Il a aussi un secret. Et à la fin, il est très émouvant, il est bouleversant même. Les prix, les critiques ou le public? Les prix, les critiques ou le public, alors les prix, je trouve que ça fait très plaisir. Hein, vous en avez reçu un paquet quand même, vous. Bah oui, c'est rassurant et tout ça. À la fois les Césars, à la fois les Molières, Oui, ça fait du bien, mais en même temps, alors mon préféré, c'est le prix Romy Schneider, voilà, je vous ai dit pourquoi. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours étonnant la place que ça peut prendre par rapport, en fait, par rapport à ce qu'on a, au film ou à la pièce. On oublie presque, en fait, la pièce qu'on a jouée, pour laquelle on a reçu le prix et tout ça. Et dans le regard des gens, ça devient finalement le prix, l'essentiel. Alors que c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et puis le public, on en a tellement besoin, en fait. Là, vous voyez, la salle, quand elle est pleine, là, comme c'est le cas, mais quelle joie! Je peux vous dire que je suis pas blasée, et Bernard non plus, et toute la troupe non plus, et on savoure ça. Surtout avec une comédie, quand on entend ses rires, ça nous donne une énergie dingue. Et on est galvanisé, quoi, par eux. Il y a un mot, en fait, que j'aime bien dire ça, parce que c'est un mot de Peter Brook pour parler du public, qui dit que on a un mot en français magnifique, c'est l'assistance, parce que c'est assister, regarder, mais c'est assister, aider. Et ils nous portent, enfin, c'est pas des mots, quoi. Alors, donc, là, il y a une petite... intéressant, psychanalytiquement, vous avez évidemment sauté les critiques. Ah oui, les critiques, Non, mais c'est pas grave. Voilà. Carré ou freestyle?
Plutôt freestyle. Je sais pas pourquoi je m'appelle carré, parce que vraiment, j'ai plutôt l'impression de déborder du cadre tout le temps que de bien rentrer dedans. D'ailleurs, c'était un peu encombrant. Alors, on parlait d'adolescence, ça me posait quelques soucis, surtout au niveau de l'émotion. Je n'avais pas quoi en faire. Effectivement, le théâtre m'a un peu quand même aidé à canaliser tout ça. C'est Isabelle Carré, notre invitée. Aujourd'hui, elle est à l'affiche avec Bernard Campan de la dégustation. C'est au Théâtre de la Renaissance. Alors, en parlant de la dégustation, pour moi, il y a une scène culte qui est justement la dégustation. La scène de la dégustation. Alors là, c'est une scène culte. Vous êtes tous les quatre là en train de goûter les vins, les machins. C'est à hurler de rire. Et en même temps, chaque personnage est là, juste comme il faut. C'est une scène culte. Je vous le dis, moi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a Bakri et Jaoui qui sont venus voir la pièce au tout début et qui se sont un peu retrouvés. Enfin, moi, j'adore cet humour-là, quoi. L'humour de cuisine et dépendance, du goût des autres. Enfin, l'humour, effectivement, comme vous dites, on reste vraiment dans les personnages. Ils sont bien définis, on les reconnaît dans chaque réplique. Et en même temps, ça va loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette situation, l'alcool aidant, hein, in vinos veritas, chacun se révèle. Et voilà, et mon personnage plus que les autres, puisque c'est moi qui picole le plus, le en plus, fait. Ah, le plus, ouais, clairement. Zabou Breitman, Bertrand Tavernier, Alain Resnais ou François Ozon. Oh là là, voilà, je peux pas choisir. Puis Zabou Breitman, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est se souvenir des belles choses. C'était un film qui était vraiment, pas un film de plus pour moi ni pour Bernard. Ça a été une rencontre entre nous trois complètement incroyable, d'humanité, de complicité, d'où mon bonheur à retrouver Bernard encore une fois. Tavernier, c'est Oli Lola, donc c'est 2 mois et demi au Cambodge dans les orphelinats à Phnom Penh, donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait un film, mais d'avoir vécu une expérience bouleversante, hein, partager 2 mois et demi de vie avec ses bébés, ses petits-enfants. C'était vraiment, vraiment très, 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 très fort et inoubliable. Et puis, François Ozon, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Exactement. Voilà, le refuge, c'est la seule fois où j'ai tourné aussi enceinte, parce que j'ai tourné d'autres fois enceinte, mais là, j'étais quand même au 8e mois, quoi. Cinéma ou théâtre ? Eh ben non, les deux, mon général. J'y retourne régulièrement, tous les ans, tous les 1 an et demi. Ouais. Alors franchement, on est entre nous. C'est vrai que souvent, on voit plutôt des comédiens et des comédiennes qui vont faire du cinéma et de temps en temps du théâtre. Vous, on a vraiment le sentiment qu'il y a. C'est une vie, mais en deux parties. Il y a vraiment une vie au théâtre et au cinéma. Je ne peux pas m'en passer, en fait. J'aime trop le contact en fait, direct avec les gens. Comme je vous parlais de l'assistance, tout à l'heure, le fait de jouer la même pièce tous les soirs. Au début, quand j'étais plus jeune, ça m'angoissait, pour être sincère, parce que j'avais peur de pas me renouveler, de pas être à la hauteur, parce que les gens reviennent pas, voilà, ils viennent une fois. Et il faut pas se rater cette fois-là, quoi. Même si c'est la 100e, même si c'est la 120e, faut pas se rater. Comment on ne tombe pas dans la routine ? En fait, en restant complètement éveillé, en essayant de trouver, et ça c'est plus facile avec le rire en fait, parce que c'est mécanique, parce que c'est des fois il suffit d'un petit silence de trop avant de dire sa réplique ou au milieu de la réplique ou de pas avoir la bonne énergie. Parfois c'est le contraire quand on balance trop la réplique parce qu'on sait que c'est une réplique qui va faire rire. Il faut rester sincère, faut la retenir un peu. Donc c'est un dosage en fait qui a à mettre en scène en permanence, en fait, tous les soirs. Isabelle Carré, notre invitée aujourd'hui, elle est à l'affiche au Théâtre de la Renaissance de la pièce La Dégustation. Vin rouge ou vin blanc ? Ah ben non, alors là, pas du tout vin blanc, parce que ça m'empêche de dormir. Ah, carrément. Ah ouais, j'ai les yeux vous n'avez pas hésité une seconde. Hein, ah non, pas, vin rouge, par contre, alors là, je dis pas non, comme dirait Hortense de la Vie Tardière. Un petit coup, moi, je dis jamais non. Alors, et vous picolez pas mal. C'est moi qui bois le plus là dans la pièce. C'est que de l'eau rouge. Oui, alors mes camarades m'ont promis qu'un jour on passerait au vrai alcool. Ouais. Et je leur ai dit d'accord pour le rouge, mais pas pour le blanc, pour les raisons que je viens de citer. Et aussi parce que c'est moi qui bois le plus de vin blanc, je manquais quand même 2-3 verres cul sec. Oui. Donc je vous dis pas la suite de leur présentation, ça risque d'être un petit peu dangereux. Le tragique ou le comique ? Bah là c'est pareil, moi j'adore les deux. Ça aussi, c'est incroyable. Vous avez là aussi une carrière de comique.
Parce que c'est un don, non, de mais de j'ai quand même plus fait de pièces tragiques. Hein. On est d'accord. Le pourcentage, je sais pas combien ça doit être. 80-20, enfin, 70-30. Ouais, voilà, ouais, 80-20 peut-être. Ou 70-30. Enfin voilà, c'est pas tout à fait équilibré. Et je le regrette. Ouais. Parce que j'adore faire. Mais alors voilà, ce qui est difficile, c'est de trouver des scénarios et des pièces qui vous font vraiment rire. Et là, voilà, si on vous arrache, comme je disais tout à l'heure, un sourire toutes les 30 minutes, ça marche pas, quoi. Non. Il faut vraiment d'entendre des rires, quoi. Et ça, c'est rare dans l'écriture. Moi, j'ai du mal à trouver des choses qui sont pas déjà vues, rebattues, et qui sont pas lourdes. Ouais. Lourdes ou cyniques, méchantes. Et c'est ça que j'aime dans l'humour d'Yvan Calberac, c'est qu'on peut vraiment rire à gorge déployée sans arrière-pensée. Oui, c'est jamais méchant, mais je suis complètement d'accord. Et ça, c'est super agréable comme rire, quoi. Moi, c'est le rire que j'aime. Parce qu'on rit, voilà, sans culpabilité. Ouais, c'est ça. Isabelle Carré, notre invitée aujourd'hui, elle est à l'affiche de la dégustation avec Bernard Campan. C'est au Théâtre de la Renaissance. Aimer ou être aimé? Ben, l'amour me porte dans mes efforts. L'amour de tout dévie des secrets. Aimer est plus fort que d'être aimé. Moi, j'en suis sûre, quoi. Vous êtes sûre? Ah, bah ouais. Ouais, je sais bien que ça peut être paradoxal quand on fait ce métier de comédien, c'est qu'on a tellement envie d'être aimé. Mais non, donner, en fait, donner, c'est donner pour donner, voilà, c'est la seule façon d'aimer. Je vais vous répondre qu'en chanson. Mais Isabelle, vous pensez pas que justement, c'est en grandissant qu'on prend cette position et qu'au départ on est plutôt dans l'autre position? Ouais, c'est bien possible, ouais. Non, c'est bien possible, mais moi j'ai quand même souffert quand j'étais plus jeune, justement, d'avoir je parlais tout à l'heure de déborder du cadre, d'avoir tellement à donner, en fait, d'amour, et de pas trouver l'endroit où le donner. Ça peut être une souffrance aussi, hein. Ça peut être pas trouver le réceptacle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vécu seule pendant quelques années quand j'avais une trentaine d'années. Je trouvais pas l'âme sœur et tout ça, un peu comme dans la pièce d'ailleurs. J'ai rencontré le vrai amour sur le tard, et c'était douloureux, donner de l'amour aux enfants, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça, quoi? C'est vrai que dans la pièce, l'amour, c'est quand même, c'est le thème essentiel, quoi. Ouais. La capacité d'aimer ou de ne pas le dire, ou de pas oser le dire, ou le comprendre, d'ailleurs. Ouais, ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que c'est des gens qui ont déjà une vie derrière eux, ouais, qui sont déjà bien plantés, ouais, et qui pourraient renoncer, finalement. C'est le cas du personnage que joue Bernard Campan. Il pourrait tirer un trait dessus, il dit « moi, je suis très bien comme ça ». Il est un peu bourru comme ça, un peu, voilà, très solitaire dans sa cave, qui est un peu une espèce de grotte, c'est un ours. Et puis, ben voilà, la vie, l'amour va débouler là-dedans, et heureusement. Mère poule ou mère cool? Mère poule. Mère poule, pas cool. Ah, pas cool du tout. Non, enfin, pas cool dans le sens où je m'inquiète beaucoup et tout ça. J'essaye de pas trop leur montrer mon inquiétude et tout ça, d'essayer de montrer plutôt de la confiance. Mais bon, voilà, de part de vers moi, comme on dit, je m'inquiète un peu pour tout, et voilà, il va falloir que je fasse des gros efforts à l'adolescence, parce que ça ne va pas aller en s'améliorant. Elle va plus dormir. Isabelle Carré, notre invitée aujourd'hui, elle est à l'affiche de la dégustation. C'est au Théâtre de la Renaissance, et c'est avec Bernard Campan, une formidable comédie. Zen ou phobique? Ah bah phobique, hein, là c'est pareil. Ah, carrément. Ben regardez, voilà, j'ai ce petit désinfectant pour les mains. Ah bah c'est normal, on est au pic de la grippe. Ben je sais bien, voilà, mais moi voilà, ce tube-là, il va me faire la journée, en fait. Alors vous voyez, oui, désinfectant, mais oui, c'est logique, voilà, ouais, ça me détend. Mais bon, j'ai juste ce défaut-là. Je me dis, ça va, je fais pas de mal à personne. Non. Je me lave juste beaucoup beaucoup trop les mains, quoi. Oh, ben oui, c'est un peu pour les mains, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, non, c'est. Mais vous avez, c'est la seule phobie. Oui, en fait, c'est vraiment lié, je dois dire, à ce métier où il faut être là tous les soirs. On n'a pas le choix. Vous devez connaître la même inquiétude. Il faut être en pleine forme. Il faut assurer, il faut être là. Ouais. Je croise les doigts. En 30 ans de carrière, quand même, hein, maintenant, j'ai jamais annulé une seule représentation. Ben ouais. Parce que je me dis, les gens, ils arrivent, ils viennent. C'est affreux de repartir, qu'on vous claque la porte au nez et qu'on vous. Voilà. Ils attendent quelque chose de la soirée, il faut être là, quoi. Le roman ou la chanson?
Bah, le roman, c'est une découverte pour moi. Je viens de, enfin, c'était l'année dernière que sorti effectivement mon premier roman, Les Rêveurs. Il vient de sortir en poche. Il vient de sortir en poche, voilà, et ça a été une grande joie de 3 ans d'écriture, en fait, quand même. Je suis un peu lente. J'en ai rêvé pendant 20 ans de ce livre. Donc j'espère que le prochain mettra pas 20 ans. Alors, justement, c'était la question. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Il y en a un deuxième, voilà. Mais comme je vous dis, ça infuse. D'accord. J'en dirai pas plus. La chanson. Et la chanson. Alors, moi, je vais raconter une histoire. C'est que moi, avant de vous connaître, je viens de vous croiser pour la première fois aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Eh bien, oui, moi, je connaissais votre frère. Et oui, Lily Cube. Eh ouais, Benoît. Benoît, voilà. Exact. Et on a chanté une chanson ensemble. Et vous avez chanté, vous. Dans son album Célibatorium, une chanson qui s'appelle En commun, qui parle aussi de l'enfance. Et je lui avais dit à Benoît, moi, j'ai très envie de faire cette chanson avec toi, c'est lui qui l'a écrite, mais je ne ferai pas des lives. Parce que j'ai très peur, en fait, ce qui est bizarre, c'est dans la chanson, c'est qu'il y a des fois où je suis juste. Des fois, c'est un peu miraculeux, quoi. Hein, voilà. Et puis la fois d'après, non, bah, c'est à côté. Donc vive autotune. Oui, bah oui. Donc je préfère enregistrer que jouer en live. Mais comme j'ai une forte personnalité, on a quand même fait plein de lives. Et j'ai eu la peur de ma vie. Bah, c'est déjà terminé. Merci. Oh, déjà oui, Isabelle, une heure déjà. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Moi aussi, mais ça fait une heure. C'est de la folie. C'est la folie. Théâtre de la Renaissance, la dégustation. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu une comédie aussi bien écrite dans laquelle j'ai autant ri. Oh, donc bah chouette. Allez-y. Non mais vraiment, c'est vrai qu'on sent le public vraiment heureux et avec ce désir en ce moment, c'est vrai, de rire, on a besoin de ça. Et rire d'oublier tous nos soucis. Et rire tendre. Et rire sans arrière-pensée et en ayant envie après d'aller les uns vers les autres, de se rassembler quoi. Ouais. C'est une belle rencontre cette pièce. Et je vous dis, il y a des scènes cultes dans cette dans cette pièce. Non mais vraiment quoi. La dégustation au Théâtre de la Renaissance. Merci Isabelle d'être venue. Merci à vous, merci mille fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute des RFM et une bonne semaine. Rendez-vous le week-end prochain.